bienvenue sur ma chaîne Edouard. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour les nouvelles, moi c'est Pauline, aka Wendy Williams African, aka Tata Po. Si tu es déjà arrivé ici, il faut souscrire et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Aujourd'hui, on va parler de Vanessa. Vanessa, c'est une personne qui nous fait, qui me fait moi personnellement rire, et aussi c'est a businesswoman, a very 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 good businesswoman. Elle est très intelligente et you know, elle a des qualités peut-être que non, d'autres personnes n'ont pas, ce qui est une grâce. Alors premièrement, je vais d'abord, avant de commencer ce sujet, personne ne sait vraiment si d'abord elle est enceinte. Il faut savoir d'abord que non, c'est une comédienne. Elle peut peut-être avoir posté sur son Insta story qu'elle est enceinte, mais est-ce qu'elle est vraiment vraiment enceinte? Parce que you know, sometimes people just like to troll. Donc avant d'abord de commenter, il faut d'abord vérifier d'abord si elle est vraiment enceinte. Alors supposons qu'elle est enceinte, comme you know, c'est propagé partout qu'elle est enceinte, et tout le monde est en train de dire que non, le bébé n'a même pas 3 ou 4 mois, elle est enceinte. Et c'est là où les gens sont fâchés. Il y a de commentaires, you know, tellement, you know, just wow, ok? Moi-même, si j'étais elle, j'allais seulement fermer my comment section, cause you know, it was just too much. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup, et d'autres qui ne sont pas aussi des chrétiens, beaucoup de jeunes filles qui la suivent qui sont dessus. C'est pour ça que je suis encore en train d'insister d'abord, avant d'être fâchée, avant d'avoir une, avant d'écrire des longs commentaires. Est-ce que vous savez vraiment si elle est enceinte réellement? Et si elle est enceinte, c'est une personne qui partage beaucoup, beaucoup sa vie avec vous. You know, des choses parfois qu'elle fait, elle montre et tout, beaucoup de gens ne feront pas. Et c'est pour cela que non, vous êtes au courant de ce business. Elle a eu le temps de vous dire sur le premier break-up qu'elle a eu avec le papa de son enfant. C'est là où aussi que moi aussi, c'est la vidéo là que j'ai su qui était Vanessa, parce que je ne la connaissais pas avant. Mais lorsqu'elle a fait la vidéo là, il y a une fille que je suis sur Facebook qui a reposté, et c'est là où j'ai commencé à la suivre, quoi. J'ai vu et je me suis dit waouh, comment est-ce que cet homme peut faire ça? Donc j'avais vraiment mal pour elle. Et après, elle est tombée encore enceinte et les gens ont parlé, comment est-ce que tu nous as dit, parce que c'est ce qui est vrai, parce que beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Snapchat sont vraiment là, you know, elles suivent vraiment quoi, Vanessa, parce que vous avez dit Tata Po, après le break-up, elle a dit sur la fornication beaucoup. Elle a dit que non, elle voulait vraiment se concentrer sur sa vie. Il n'y a pas d'homme et bon, elle est tombée encore enceinte. Alors, et c'est pour ça que vous ne comprenez pas quoi. Donc, comment est-ce qu'elle peut tomber encore enceinte là où le bébé n'a pas même trois mois ou quatre mois. Alors, moi je veux vous dire juste un truc que non, et parce que j'ai vu des messages un peu. Surtout pour les gens qui s'appellent, you know, surtout pour nous les chrétiens, c'était un peu dur. Parce que vous êtes là à dire, il y avait des messages du genre que non, tu es là, tu parles de Dieu, tu as des enfants, tu vas avoir trois enfants avec trois différents papas et tout, ça c'était déjà l'insulte envers ses enfants, parce que, comme j'avais dit, c'est aussi Vanessa qui a facilité que vous soyez au courant de tout ça, parce qu'elle pouvait juste venir ici faire ses vidéos et vous allez voir juste avec des bébés, vous n'allez même pas savoir si ces bébés là avaient trois différents pères.
C'est juste que non, je comprends le sentiment que vous avez du genre que non, elle parle trop de Dieu et pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire le contraire, ok? Ça, je comprends parfaitement. Et je vais vous dire aussi que non, you're shaming her now, ok? Cela, you're shaming her, cela veut dire, je vais expliquer ça, pourquoi j'utilise ces mots-là, parce que j'ai beaucoup des connaissances, des amis qui ont des enfants avec des pères différents. C'est pas, most of them are not happy et ne sont pas contentes que ça arrive comme ça. Mais la vie a beaucoup de réalités et c'est pour cela que nous, tu vas trouver une maman avec trois différents enfants quoi. Donc c'est pas quelque chose que non, tu es toute petite, tu dis que ouais, lorsque je vais grandir, j'aimerais avoir trois enfants avec trois différents pères. Personne ne souhaite pas, personne ne souhaite ça. C'est les réalités de la vie qui amènent ces situations sur la vie des gens quoi. Et moi, j'ai juste aimé un commentaire que je vais lire pour vous et ça sera vraiment sur ces commentaires que je vais me baser pour répondre, you know, à tous vos concerns, à toutes les personnes qui sont en train de parler sur Vanessa. Finalement, toutes tes grossesses, tu vas appeler ça des péchés. Tu peux pas juste dire je suis enceinte et je suis heureuse. Pourquoi toujours dire que j'ai péché? Ne me jugez pas. Tes enfants sont des fruits du péché ou les fruits de l'amour. Vis ta vie sans pression. Tu es une grande fille. Tu sais que si tu fais l'amour sans capote, tu auras un bébé. Tu te juges toi-même avant que les gens te jugent. Vis qu'à chaque grossesse, tu dis que tu as péché. Arrête de te cacher derrière Dieu et vis ta vie de jeune femme comme tu l'attends. Si tu veux faire 15 bébés avec 15 papas de toute la nationalité, fais. Mais arrête de les appeler des péchés. C'est quel genre de péché où tu fais? Tu t'es repenti, puis tu refais encore. Même Dieu a dit, quand on s'est repenti, on doit abandonner les péchés. Tu es une jeune femme moderne. Tu as le droit de coucher avec qui tu veux et de porter autant d'enfants que tu veux. Dieu n'est pas là-dedans. Donc, je vais pas. À la fin, là, je ne suis pas encore. You know, les dernières phrases, là, je ne suis pas convaincue. Je vais juste un peu rectifier des choses qu'elle a dit à la fin. Là où elle dit que non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans tout, ma chérie. Dieu est dans tout ce que tu fais. Les choix de ton partenaire, Dieu est dans ça. Et si tu écartes Dieu dans ça, c'est pour cela que tu vas te marier. Tu n'auras pas la paix parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu est au centre de toutes choses. Tout ce que tu as dit en haut là, je trouve que tu as raison. Ok? Parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de quoi? De... you know, d'avoir partenaire. Elle est libre de faire 15 bébés. Mais juste ce que tu as dit, un point vraiment que j'ai aimé, c'est là, arrête de te cacher derrière Dieu. Vis ta vie de jeune femme comme tu t'attends. Ok? Comme tu l'attends. Donc parce que je pense que non, avant que les gens te jugent, elle-même se juge encore plus. Ok? I love her so much. So, vis ta vie. Ok? Vis ta vie. On ne peut pas te contrôler. Les choses, la seule chose que moi je peux te dire est que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que non, les gens sont en train de juger. Mais ici, je ne vous ai jamais présenté mon mari. Vous n'avez jamais vu mon mari venir ici rire et tout, m'appeler Pauline et tout et tout. Parce que lorsqu'il commence à venir faire ça devant la caméra et que je vous montre ça, c'est à partir de ça que vous allez former vos opinions de lui. Et c'est à partir de ça que vous allez commencer à lui juger.
parce que je vous ai introduit à lui. Ok? Donc si Vanessa ne vous introduit pas dans sa vie, si elle ne vous dit pas tout ce qui se passe avec ses baby daddies, vous ne serez pas là en train de laisser ce genre de comportement, de ce genre de commentaires, pardon. Et you don't need Vanessa, tes péchés, c'est Dieu qui te pardonne. Ok? Tes erreurs, c'est Dieu qui te pardonne, ta mère. Tu n'as pas besoin d'être validé par tes fans. Ok? Parce que parfois, this is just virtual. It's not reality. Les réseaux sociaux, c'est virtuel. C'est pas quelque chose de réalité. Ok? Tu es une star, tu es une autre célébrité, tu es une autre célébrité. Mais suis les conseils que ta sœur t'a donné, mais pas la dernière phrase là. C'est ce que moi je peux dire sur cette affaire. Alors dites-moi en bas, qu'est-ce que vous en pensez sur cette histoire? Est-ce qu'elle mérite-t-elle ce genre de messages, de commentaires qu'elle a reçu? Dites-moi en bas et donnez-moi vos opinions en bas. Là où moi j'ai oublié ou là où vous voyez que j'ai pas bien dit, écrivez-moi en bas. Et surtout, n'hésitez pas à désouscrire, liker. Et on se retrouve à la prochaine, Diva. Ciao, ciao.